Rose Monjean fin déshabiller Reginald Boulos, mettez tout tourné sur place publique. Reginald Boulos pas de printemps pour le répondre. Lui répond, elle fait ça n'était carrelé en melting pot, un véritable poisson crasé dans bouillon. Rentrer dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, passer dans relation avec famille Jean, même Rodolphe Jean nous tande qui impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse. Différentes réunions qui étaient faites avec ancien premier ministre Claude Joseph, Monsieur Gato MTV Haïti recevoir dans le gouvernement Ariel Henry, et véritable raison qui fait le passer plus que yon l'année en exil. Boulos parle causé. Mais ça qui attire l'attention et qui prend le force et tout, définitivement, ou pral wè, c'est le pas bon par là, ou pral dou pas bon ti bon. Est-ce que Reginald Boulos, c'est maniget la passé? Est-ce que c'est mal la passé? Est-ce que c'est vitesse supérieure la passé? Qui fait jodi an, negyore si wè nan Jovenel Moïse, yon président qui te élu en président peuple te voté. Rete là, ou pral kon détail yo. La police nationale là, c'est vane la vane bandi. Petit coulier, n'est pas de gens ça y est, nous n'avons pas bon côté la police, nous jouons ça y est là, nous avons une motivation pour nous croire au phénomène grand banditisme. Dans plusieurs zones stratégiques, la police décide à déposer valise. Nous avons toutes les informations déjà, nous avons un chef gang réputé, nous avons un lieutenant 400 Marozo qui contrôle la localité de Guédon dans Kwale Mouke, collègue, il n'est plus. Li tombe nan affrontement li te gen avec la police. Eh bien, préparez-vous ou pral jwenn plus de détails, plus d'informations sous différentes opérations la police te mené. Mais ça qui pi intéressé aujourd'hui là, c'est interview exclusive Reginald Boulos bay. Il tout dit ça c'est dernière fois la parlé dans la presse question Reginald Boulos dans politique là, li ferme chapitre ça, li enterre jusqu'à ce que la ville finit. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous porter information, pour nous information pour. Eh bien, je dis en là, je m'invite au Chita. Préparez-vous parce que nous parlons un véritable débat sur Boulos. Boulos, parlez. Faut qu'on ait ça Boulos dit et faut que nous analyser chaque ça Boulos dit qui gagne point d'ombre la dalle, qui gagne et cache cache lui ben la dalle. Nèg politique ici, yo pas jamais fin bon vérité. C'est nous pour chercher qui sa vérité aille. Préparez-vous, nous pral parler pays. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel. Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Là où vous êtes à Emanda, c'est notre soleil pour qu'on lever. Nous, on joue ça là, qui motivation qui gagne par bon côté PNH. Qui motivation qui gagne en dedans la police là pour yo traquer bandi pour yo stopper bandi hier si gon bagay qui te fait comme content c'est l'entendre population moun nan Delma 31 te mobilisé avec la police pour yo déjouer en tentative kidnapping pour yo aller chercher présumé kidnappeur yo ou ouais gen une synergie entre population avec la police. Mais bagay la tapral fini on tire en cowboy parce que la police tapral arrêté, tapral interpellé Cédric Brott et finalement yo tapral libéré Cédric Brott malgré que moun nan population identifié comme présumé kidnappeur et lui-même li dit c'est lui-même qui était victime nan, c'est lui-même qui était kidnappé, il y a information qui dit que yo était tiré dans machine ni etc. c'est lui-même qui tapral kidnappé. Donc en attendant que PNH, en attendant que autorité concernée yo bay plus lumière sur dossier ça, nous même nous pas là pour nous faire fuite en avant, nous pas là pour nous dire sa vérité a payé, nous là pour nous dire exactement sa vérité. Et donc pour l'instant nous pas comprendre qui sa vérité a est tout bon. N'a prêté suivre dossier de près de très près pour nous porter toute évolution pour toute information qui a venir. Collègue Dombé,
Collègue tombé pour un, pour deux, nous apprendre gen un nouveau chef gang dans localité Guédon que l'homme s'en joue à le placer. Et c'est une des raisons qui fait moi-même toujours dit à chaque fois mon opération qui mené, à chaque fois mon chef gang qui tombé, mon bandit qui tombé, mon chef zone qui tombé, dans cadre opération la police mené, dans échange de tir qui ka gagné entre la police avec bandit, faut déjà la police là. Faut gagner ça qui faut gagner des opérations qui mènent en permanence dans zone ça yo. Faut au moins ou sentir par bon côté autorité la police yo, yo fait ça qui relait consolidation. Faut gon consolidation qui fait parce que c'est pas quoi pe bandi en repousser bandi ou bien touyer bandi qui pral bay résultat. Mais plutôt l'on fin touye bandi, on fin élimine bandi, on faut qu'on assure que dans la zone, dans le quartier, il y a une présence policière continue pour empêcher que l'autre groupe bandi vienne prendre zone, vienne occuper l'espace. Non seulement ça tout, faut gagner collaboration qui fait entre population avec la police de manière à ce que si gagne des informations la police ka récupérer sous l'autre bandit qui dans zone non l'autre groupe bandit ka ferraille dans zone non pour au moins le ça la police compte comment pour préparer qui ça pour faire qui côté pour aller attaquer parce que c'est triste ou dans des collègues tombés pour un pour deux la mort son jour. Non seulement le fait répression, non seulement nèg yo aller pour attaquer commissariat quoi de bouquet, yo attaquer population, tout côté passé c'est SOS SOS SOS, moun qui en détresse, moun qui a mandé la police secours, moun qui a mandé la police vinn aider yo parce que nèg 400 marozo yo t'est décidé mettre quoi de bouquet chaud, mettre quoi de bouquet tête en bas. Donc jodi an la faut que France LB connaît collègue tombé, mais c'est pas bataille là qui finit. Collègue tombé, c'est pas 400 maroz crasé. Collègue tombé, c'est pas gang nan yo dépatcha. Jodi an la, faut gen opération qui continue mené. Faut gen mission qui continue fait nan gang 400 maroz. Faut gen consolidation pour nèg yo préparer pour yo konnen après collègue, mais ça ka fait. Après l'homme sans jour, mais ça ka fait, etc. Parce que jodi an, c'est population qui paye pour te casser yo. Ces populations qui sont victimes, ces bandits qui ont terrorisé la population, qui ont voulu, qui ont pas voulu, les gens qui étaient dans la commune de Bouquet, les gens qui étaient dans la localité de la Tremblay, dans Meyé, dans Guédon, les 400 marozo, ils ont identifié un pile là-dedans comme tout est. Ils ont identifié un pile là-dedans comme les gens qui ont baillé la police information, comme les gens qui ont baillé les journalistes information, etc. Donc c'est ça qui fait extrêmement pour gagner présence continue la police dans la commune de Bouquet, pour gagner présence la police dans différentes localités, côté gang 400 marozo mette lieu. Non, côté gang 400 marozo a terrorisé la population. Et même hier, ça a tout. Gagner soldat gang et chef de gang Tilapli, gang Avin, PNH a annoncé, yo stoppé plusieurs soldats, plusieurs bandits qui a opéré dans gang Avin. Yo posté gen yon machine là, ces machines nèg yo t'assemblé qu'on a le prend l'argent rançon, qu'on a le prend cop kidnapping, la police saisi machine là et en représailles nèg yo à l'attaquer et commissariat sous commissariat Léogane, portail Léogane là. Donc, ou vin senti le gen motivation par bon côté la police, le policier yo motivé, yo mobilisé pour yo traquer bandi. Bandi yo même tout par bon côté pa yo, ou senti yo déterminé pour yo riposter. Donc là, c'est nécessité qui gagne pour gagner accompagnement technique. Pour policier yo gen bon équipement, pour policier yo gen bon moyen à la disposition yo, pour le yo à terre, pour yo pas à terre n'importe qui gens. Pour le policier à terre, faut qu'il ait un bon gilet verbal, faut qu'il ait un bon casque, faut qu'il ait un bon équipement de protection individuelle sous lui, pour ne pas tourner manger bandit. C'est pas parce qu'on a des abdou job policier job secueil, pour policier dans la rue en n'importe qui genre, vaille que vaille pour se manger bandit pour yoye, non. Même hier ça encore, la police stoppe plusieurs autres bandits qui tapent essayer de détourner camion marchandise moun. Non bon repos, yo stoppé, m'a regardé deux jeunes garçons sous moto, moto bien neuf et qui pratique nèg yo fait, c'est al chercher détourner camion qui transporter motocyclette. Là ouais majorité bandi dans quoi des bouquets, majorité bandi qu'on y a c'est sous moto y a viré, sous moto y a fonctionné. C'est moto, c'est camion marchandise moun. Yo amuse yo les camions qui transporter moto yo a passé, yo camper camion yo, yo aller avec camion dans base et puis soit dans les chaque grain bandi gon moto neuf en bas derrière.
Et ça, une des raisons, l'autre de l'amour sans jour tabdou, li touye inspecteur Reginald Lalo, parce que Reginald Lalo et touye chauffeur moto, etc. Comme si tout chauffeur moto c'est bandit. Mais n'a pas de bouquin dans le moment ça là. Est-ce qu'on chauffeur moto son bon mounier? Parce que nous, c'est logique là. Majorité nèg y a touye. Majorité nèg la police stoppe, qui n'a bandit, etc. Qui n'a gang de Samarozo. Li toujours gon moto en bas d'elle. Et l'enlevé mayol, li toujours gen P9 mm li. Donc, vous pouvez comprendre là, nèg sa yo, de pou nan kwa de bouquet ou se chauffeur moto, ou nan zone chaussée chauffeur moto, ou nan torsel ou se chauffeur moto, pendant que moun pa kare torsel, moun pa kare nan kwa de bouquet, moun pa ka fréquenter matisan, ou a fait tout trafic à l'aise, la police déjà identifie ou comme mauvais moun, ou pa ka bon moun, ou pa ka bon moun nan je policier, et policier pa ka jam pren risque pour un chauffeur moto nan zone sa yo a passé pour le garder ou nan je. La interpellé ou et si pendant l'interpellé ou lancé balle ou ouvri sous li, c'est riposte ou a priposte, c'est échange de tir ou fait avec, c'est droit policier pour protéger ville, c'est droit policier pour protéger frère d'amnia côté là, c'est tout droit pour protéger population. Donc c'est l'ordre d'attendre nèg gang sa ou abdou, chauffeur moto toujours innocent, la police a touye chauffeur moto et chauffeur moto pas nan rien. En sérieux, en sérieux, hier seulement. Hier seulement, il y a deux groupes bandits, il y a un Kazo, il y a un Bon Repos qui a détourné camion transport motocyclette. En nous sérieux, hein? Tout nèg sa yo gen groupe gang yo, tout nèg sa yo c'est bandi yo, yo a opéré dans plein nan. On nous pas policier au respect de. Même l'on attendait tout bagay. Même l'on attendait tout bagay. Ou tande jodi an là, ou gon PNH qui politisé. Oui, nous conscient. Ou gon PNH qui pas fin propre. Gros paquet de policiers qui dans gang, oui nous connais ça, mais en dedans institution la police en tout, des policiers qui a fait travail honnêtement, des policiers qui honnête, des policiers c'est petit chèque là, c'est lui même li gagne l'a touché 2 mois 3 mois yo pas bali le policier a mal viré. Des moun qui honnête toujours, c'est ça que fait, faut nous encourager moun qui honnête yo. Et jodi an là, comme n'a font travail de dénonciation, faut nous dénoncer autorité supérieur yo, supérieur hiérarchique policier yo, faut que nous dénoncer chef de poste yo, faut que nous dénoncer commissaire inspecteur yo, faut que nous dénoncer le maintenant au état major la police, depuis ces autorités yo pas prendre responsabilité, depuis ces autorités ou ces bandits ou ces gangs ou nan gang ou nan conclusion avec bandits ou gen relation cocotte figaro avec bandits, c'est normal pour nous dénoncer. Donc continuez faire travail positif dans fait tout bon policier yo, continuez traquer bandi, continuez stopper bandi parce que travail ça l'a gagné prix. Merci pas suffit pour population t'a dit non. Bon, dans dossier Rosemont Jean. Nous tout trois Rosemont Jean depuis Rosemont Jean parlé c'est Calbas Grand Bouchi. Calbas Grand Bouchi pas dans série crasse. L'abdou bagay la, Jean bagay la vinn dans bouchi, Jean bagay la passé dans l'esprit là. Et d'ailleurs Rosemont Jean, il y a des gens qui ont fait des bagages, il y a quelques fanatiques qui ont écrit. Bon, Yannick, tout le temps, Rosemont Jean, il y a fait point de presse, conférence de presse, il y a bail des informations, il a plongé le web sous le monde, même avec Stanley Lucas. Gozo, il te dit ça. Même avec Stanley Lucas, il a fait dénonciation, etc. Même pas, j'ai moins une fois, quand Rosemont Jean vient avec une preuve pour le dire, il basé sur ça comme preuve pour le dire Reginald Boulos, pour le dire Dimitri Vob, pour le dire Ariel Henry, etc. Parce que récemment, là, nous voyons Reginald Boulos, il vient avec un concosé ampliation. L'idou Ariel Henry, ampliation, l'homme Ariel Henry, etc. Il te montre Claude Joseph. Li, moi, je me dis attendre à ce que Claude Joseph, il te prend la parole pour dire oui, Ariel te montre l'ampliation, ou bien non, Ariel va te montrer l'ampliation. Et bon, ça pas fait. Ça pas fait. Nous pas contre pour qui raison. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde connaît Rosemont Jean lui-même, son calbas grebouchier, il passe les crasses. Rosemont Jean le parle. Littéralement parler là les loin pour le dire Reginald Boulos à terre c'est camper goumelier question ou marron collant question abdou sorti dans politique là c'est oublier ça vinn ouvert quoi à terre vinn montrer son vous vinn non prendre Reginald Boulos lui-même pas bon te parler il pas prendre temps de répondre il fait connaître ces dernières fois l'a parlé dans micro la presse ces dernières fois l'a pas adressé là avec public etc. parce que li à l'école dans question politique li pas ca gérer stress li pas ca prendre des paroles en pile li pas ca prendre des tractations mon abba etc. Parce que lui-même, il a une ligne la suivre et que ça qui est pour avec politique, comme tout ça qui a passé en Haïti, il a dit c'est lui-même
Oui, yo te dit c'est lui-même qui la cause, c'est lui-même qui dans système, c'est lui-même qui a géré système etc. On l'a déterminé. C'est une des raisons qui fait l'Italie dans tête MTV Haïti parce que il était déterminé. Il était déterminé pour le prendre pouvoir etc. pour devenir président pour voir comment il était qu'à changer système là. Question m'a posé. Est-ce que Reginald Boulos fait partie de système non ou bien est-ce que Reginald Boulos je dis là je le fais quoi là est-ce que Reginald Boulos t'es capable de changer système non parce que opinion publique là tout le monde voit Reginald Boulos comme une moun qui constitue système non comme une met système non comment moun yo comme une met système non et puis je dis on veut faire même moun ça quoi que ou t'as pas le vini comme président pour venir changer système non. Donc, quelque part, c'est passé mon nom, quelque part, c'est bafoué mon. Mais ce qui plus attire attention, c'est le fait que, même Reginald Boulos, aussi tardivement, il peut reconnaître que président Jovenel Moïse, c'est ton président qui t'est élu démocratiquement. Son président qui t'est élu à travers les élections. Son président peuple t'est voté. Son président 7 juillet 2022 l'a assassiné là, son président qui t'est en fonction le. Malgré que tout débat t'a fait sous fin mandat présidentiel là. Malgré que tout débat qui t'a fait comme quoi mandat Jovenel défini 7 février 2021. C'est jour que l'on a assassiné Jovenel là, Reginald Boulos pral reconnaître Jovenel 7 février 2022, li stil de gen légitimité, li était toujours président. Et de ce fait, si 7 juillet les mercenaires les colombiens rentré la caille mélangé avec haïtien yo assassiné là, c'est pas Jovenel Moïse on fait président été assassiné. C'est président Jovenel Moïse, un président élu, un président qui est en fonction. Mais ça qui paraît troublant. Nous te reconnaître que Jovenel Moïse, 7 février 2021, Jovenel Moïse, son président de facto, son dictateur, il n'a pas de gagner pour le faire dans notre pays encore. Il n'a pas de gagner pour le faire dans notre l'État. Mais, le assassiné Jovenel Moïse, jodi en clameur public a cité non Reginald Boulos comme moun qui finance l'assassinat Jovenel Moïse, comme une commandité à l'assassinat président Jovenel Moïse. Ou pral vin senti Reginald Boulos. Pa konnen si c'est clameur public là qui trop pesé sous dol. Si c'est poids social qui mettait tout stress ça dans la vie Reginald Boulos qui fait jodi al malade là. Gen moun ki di c'est zombie Jovenel qui tape Reginald Boulos mais problème santé ça yo. Yo lié directement avec stress. Stress quotidien et persécution politique, c'est ça Reginald Boulos fait comprendre. Mais en dépit de tout bagay sa yo, vérité en ce qui s'allie. Nous dit Jovenel Moïse, son dictateur, Jovenel Moïse, c'est usurpation de titre qui t'a fait après 7 février 2021, pas de président. Mais c'est même Reginald Boulos qui dou li fait réunion avec Claude Joseph, à l'époque premier ministre démissionnaire. Li rencontre, li fait réunion avec Yuri la Tortue avec SDPO etc. rencontre différents catégories moun, différents groupes moun etc. Mais Reginald Boulos depuis en juin 2021 quitte pays là, li en exil. Bon, sûrement réunion sa yo c'est visioconférence. Sa yo c'est pas sujet de débat. Réunion faite pour qui ça pour respecter dernière volonté président Jovenel Moïse. On président nous te contesté qui pas de légitimité. On président nous t'a battre Charles Barré derrière nous dit que qui pas de place dans tête payant qui était supposé marier paquet li aller depuis en 2021 7 février 2021. Mais nous vinn reconnaître légitimité à Ariel Henry gagné pour le diriger parce que c'était dernière volonté président Jovenel Moïse. Mais qui ça bagaille ça est? Qui sa bagay sa ye? Est-ce que c'est parce que Negyo vin senti quelque part Ariel Henry c'est lui qui t'a pral régler cause yo? Ariel Henry c'est lui même qui t'a pral bay, qui t'a pral ouvrir la voie au chapitre pour yo dégeler différents comptes, différents intérêts nèg sa yo qui t'est monté opposition contre Jovenel Moïse t'est gagné parce que faut moi dou. C'est même droit un tribunal premier instance en Bernard Saint-Ville.
qui te retire, qui te permet à ce que toute charge qui te retenu Reginald Boulos yo te levé yo. Question et mandat d'arrêt te gain des Reginald Boulos. Pas une question mandat d'arrêt des Reginald Boulos encore. Reginald Boulos pas entré en Haïti juste parce que et pour éviter problème politique, pour éviter que yo ta attaqué etc. Mais non ça qui gain pour avec la justice. Que le dossier assassinat président Jovenel Moïse, que le dossier ULCC Bayona. Reginald Boulos si pas gain aucun mandat d'elle. Reginald Boulos si pas fait objet de poursuite là dans moment n'a parlé a. Il pas fait objet de poursuite. Donc comprendre bien. Comprenez bien, en Haïti, ça nous relève justice là. C'est justice pour une catégorie moun, c'est pas pour tout le monde. C'est justice pour nèg qui gen l'argent en Haïti, on devait être impliqué dans tout dossier. Il y a toujours un monde qui la vie, il y a toujours un monde qui cligne image. Mais malheureux, petite soyette, la monde qui pa gen relève, pa gen répond non. Depuis le dossier, c'est quoi de la prend. Et hier, on fait constat ça. Si c'est, ou pas, si c'est, on t'inè tête graine, on t'inè noir, yo te arrêté dans Kaimoun, dans Delma 31. On pense que pas d'abgeta Maspinel, pas d'abgeta, yo tap tellement Maspinel, d'abgeta aller rapide vite dans DCPJ, yo tap prendre pour présumer kidnappeur. Puisque hier, c'est Cédric et Brant. Donc, et bah, yo réfléchi en l'autre genre, bah, yo fait en l'autre genre. M'pas dit le coupable, m'pas dit l'innocent. Sauf que mon connait traitement ti nèg tête grain n'a tab joine non c'est pas lui même li joine ça nous clair sur ça haïtien trop raciste nous raciste même avec propre tête nous raciste même avec propre tête pas nous pour moi retourner dans l'océan original Boulos MTV Haïti youn cadre MTV Haïti Karl François docteur Karl François li occupé poste directeur dans Ofatma directeur général Ofatma Reginald Boulos li plaide Dieu de miséricorde le fait que Karl François occupé poste en dedans au Fatma ça pas rien pour avec MTV Haïti. C'est pas MTV Haïti qui occupe fonction mais on est sérieux. Jodi fusion Edmond Supplice Bozil dans pouvoir, fusion dans pouvoir. Edmond Supplice Bozil après l'école l'a dit il pas dans pouvoir. Ni pas ka di Rosemont Pradel dans pouvoir, fusion pas ka di il pas dans pouvoir. Est-ce que nous comprenons? SDP dans pouvoir, Ricapier dans pouvoir, fusion et SDP pas ka di, li pas dans pouvoir. Même Jean Uniforce dans pouvoir, même Jean Vérité dans pouvoir, même Jean gen différents l'autre structure qui dans pouvoir, même Jean gen nèg qui pas dans parti politique. Yo dè, yo caché kò, yo rien ka kò dè en parti politique. Bien loin. Yo dou parti ancien encore, mais yo même en bas pa yo dans pouvoir. Jodi on pral di mwen dans Georges pas dans pouvoir, dans Georges dans pouvoir. Tout nèg sa yo nan pouvoir. Donc vérité on sait qui ça lié. Reginald Boulos fait comprendre et Karl François li nan Ofatma etc. C'est Karl François, c'est la personne de Karl François qui nan et nan pouvoir mais MTV Haïti pas nan pouvoir. Donc là c'est parole. On comprend c'est parole, c'est astuce politicien. Mais vérité on sait qui ça lié. Reginald Boulos li gon parcours avec Jovenel Moïse. Reginald Boulos li fait comprendre jusqu'à présent, il pas jamais considéré Jovenel Moïse comme un ennemi, mais plutôt comme un adversaire. Et il va rien pour le avec assassinat Jovenel Moïse. Mais il y a l'autre bagaille qui est extrêmement important. Comment fait, Jodian là, n'a pas parlé de assassinat Jovenel Moïse, n'a pas parlé de Reginald Boulos, n'a pas parlé de Rodolphe Georges, n'a pas parlé de Dimitri Erard, n'a pas parlé de différents autres groupes nègres, n'a pas parlé de pasteur Emmanuel Sanon, n'a pas parlé de nègre la Turquie, oui, n'a pas parlé de Samir Randal. Ou bien comprendre, structure ça qui constitue aujourd'hui là, tout nègre qui participe dans l'assassinat président Jovenel Moïse, d'autant la justice pas fait lumière sur le dossier ça. Clameur public là qui toujours dou Matéli là dedans. Clameur public là qui toujours dou Reginald Boulos là dedans. Clameur public là qui toujours dou Dimitri Vob là dedans. Clameur public là qui toujours dou Kiko Saint-Rémy là dedans. Mais est-ce que c'est la justice qui détermine? Est-ce que c'est la justice qui tranche? En tout cas, Boulos parle, m'a invité prendre ses chaises bord pour tendre. M'a invité chita parce que là, gien ensemble des formations, li baye dans Magic 9. Moi-même, pas t'attendre moi avec yo. Est-ce que réellement c'est persécution politique? Est-ce que réellement bataille qui t'a gagné entre Jovenel Moïse
avec Reginald Boulos, est-ce que c'est moun qui était dans entourage Jovenel Moïse qui t'a poussé Jovenel Lua? Est-ce que réellement Jovenel a un problème avec Reginald Boulos qui dépasse ça n'était ou bien qui était moins que ça n'était? Ça t'a montré nous dans la presse. Donc on nous suit avec une interview qui était faite entre docteur Reginald Boulos avec Magique. Bonjour Robinson, bonjour tout l'autre animateur panel là, bonjour technicien yo, bonjour pour population haïtienne là. Et ça fait presque 13 mois que depuis le dernier forum de parler avec nous et m'a salué principalement militantes MTV Haïti yo, mais aussi toute reste population haïtienne là. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester gardé ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour, nous bien content gain ou avec une nouvelle gain en conversation n'a pas évoqué avec vous état santé ou n'a pas parlé de retrait ou décidé faire de MTV, nous avons évoqué tout à l'heure la raison avancée yo, de ces situations personnelles ou état santé ou qui mettent en obligation pour retirer le corps de MTV, ou évoqué des divisions qui étaient gagnées au sein de parti par rapport à l'idée pour nous signer un accord en septembre, là, ou indiquer que le directoire, les 7 membres du directoire, de manière unanime, étaient d'accord à signature ça. Maintenant, chemin faisant, on a vu les résultats, et il y a un peu de monde dans la population qui est très critique par rapport à situation pays qui a décliné, il y a des gens qui clairement dit, et même avec l'autre entité politique, MTV, c'est affaire pour voile, elle a réglé, c'est avantage, l'a réglé. Donc, n'a pas gagné pour nous, attendez au sous, partie ça. Et n'a pas évoqué avec vous la conjoncture, regard sur situation politique là, regard tout également sur la situation économique. Et de votre lieu, comment ou vivre cette hibernation, ce silence d'entité organisée du secteur privé des affaires par rapport à la situation ça? Et puis bien entendu, et comment ou même ou vivre des suspicions que des gens disent clairement ou n'entouillé ou docteur Boulos n'entouillé et président Moïse, et nous tendez des gens qui c'est adversaires politiques qui évoquent la situation ça. Et puis docteur Boulos et Haïti et au-delà de Partia et vos plans pour le pays. C'est un peu ça et notre petit plan, Robinson, tu as ajouté. Oui, non, je me poser la première question, hein, si permettez-moi. Monsieur Boulos, docteur Boulos, Sonine, là, ça fait environ 13 mois depuis qu'il était pays. Ou qu'a rappelé nous dans quel contexte où tu quitté pays? Oui, et bonjour. Moi, quitté Haïti le 21 juin. Pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que m'ta fait dans Miami pour diaspora, avec diaspora, pour parti MTV et pour campagne que m'ta fait ouvertement pour m'te préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en pile monde t'es venu d'accord que m'te yon n'a pas mis m'ta qu'à dire 2 ou 3 candidats majeurs, importants qui t'a pris dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi pensé dans yon un meeting avec diaspora, style town hall meeting dans Haiti Cultural Center, et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'a retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça yo, les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées, et me passé fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi, avec aussi blocage fonds toute en pile dans l'entreprise Mayo et moi-même personnellement, et nous te prend avocat immédiatement Maître Madistin qui pouvait défendre nous et demander que mandat d'arrêt ça pas capable il pas de force. Donc immédiatement que activité illégale ça yo d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien, ça t'est venu obligé un petit peu, il était temps pour moi, qui s'acrivait avec mandat. Et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux. Avant nous venir sur l'assassinat, président,
oui. On a parlé de démêlés que tu as avec ULCC. Oui, oui. Ok, oui, c'est dans le contexte où tu as dévoué mandat et d'amener contre. Oui, en fait, ULCC te font mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Okay. Tout avocat qui parle avec eux dit que tout ça, ULCC, te doit faire, c'est prendre aussi à vous dans le parquet. À la limite, le parquet te doit inviter et ensuite, le parquet te doit demander où on prend le mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pendant le mandat à émettre là, où tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne pas rentrer encore parce que je me dis maintenant que l'avocat mieux agit contre si contre un acte illégal qui était fait. Donc comme acte là était illégal, moi dis je ne peux pas quitter le programme dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu es jamais entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es jamais entré? Non, et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé a annulé le mandat, a libéré les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juin, 8 juillet, bah, changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'ai passé depuis le premier jour, t'es fait là, et que nous t'ai dit. Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos? Pardon? Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, vous te reprochez? Écoutez, bon, me dis un petit bagage. Si mon bagage est reproché, mais même dans le tribunal, il m'a défendu tête. C'est pour ça que tu fais mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça que tu as lancé un mandat contre toi, pour te caler dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire un mandat pendant que vous êtes dans la justice. Vous êtes dans la justice, qui est son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, tu es paré pour me défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée. Contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est ton persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, je dis un petit bagage, si nous voulons vous proposer. En 2017, le directeur général de l'ONA a lancé un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le PIB bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que, l'heure pas fait ça, Cobla en grande partie, c'est dans la Banque Centrale Lichita, l'a perdu valeur li, et l'a pas rapporté yon goud intérêt. Donc, c'est, et la loi sous l'ONA te dit que l'ONA gagne pour le rentabiliser fonds li. Donc, yon lance son programme de placement dans des entreprises privées. Gagne pile entreprise privée qui recevoit placement ça yon, dont des entreprises du groupe Boulos, et, nous respecter jusqu'au moment où et jusqu'à aujourd'hui, nous respecter tout ça que la loi t'a demandé nous faire. Et faut pas imaginer pour qui raison que ULCC décidé investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre, et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 602 428 goudes. Pendant qu'il y a gagoté Koblona à distribuer par homme politique, dernièrement, moins ouais que 2 milliards de goudes que l'ONA a prêté l'État, que le Pajam a rapporté, nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 402 000 goudes par ONA entre l'heure où nous recevons un placement aujourd'hui. Bon, deuxième chiffre, Benson. Je dis à nous payer, on a chaque mois 22 425 000 gouttes. Chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versons 22 425 000 gouttes. Ou qu'on kik blague, yon baye sous l'on a, je dis à, tant que Boulos pas payé, yon pas qu'à faire payroll. C'est comme nous baye chaque mois. Et nous pas jamais en retard, sous 5 ans à pas. Nous pas jamais en retard. Et yon jou, travail, ONA. Si ça m'a dit, c'est pas vrai, elle te met une démentie. Okay. Deuxième, ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona, nous prenons. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privé avec elle. Nous construire des limates toujours. Mais nous fini des limates Delma 32. Nous construire building Nissan que tu viens bouler après. Nous bay travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention Genaël Rancho.
nous bay presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement n'a payé intérêt, n'a payé côte part et sous comme que on a placé la caille noire, mais n'a créé travail et moun ça qui travaille là, il pral bay cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage tout côté et puis c'est un groupe qui est plus respecté qui a construit travail maintenant, qui bail le plus monsieur Boulos, travail docteur Boulos. Et vous mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui a commencé le moment de la durée des amis, qu'on a levé pas amis encore, faut nous rappeler et partir ça, et ou estimez yo instrumentaliser et ULCC. Mais ça t'a empêché que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait, même si toutes sources sont évoquées là yo, comme et retour et entreprise qui prêtait comme ou a dirigé qui prêtait comme non on a fait, mais ça pas empêché que si on a dévelé ouvert enquête pour sur entreprise ça pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC t'a dit on a gagné, on a son entreprise gagote, on va l'investiguer tout ça qu'on fait dans on a. On t'a ouvert les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi mandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend compte dans on a. Moun ki paye et moun ki pa paye. Et combien mois ou ete gen? Yo pa jam le fèl. Tout juste jodi a. Et encore sous radio la jodi a, mapman de directeur on a. Bay list tout moun ki jwenn placement. Combien kob yo retou yo paye, combien yo pa paye. Mwen pa cite non. Mais lorsque ou pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est li seul y a investigué. Pendant que li remet tout dossier msout ba ou yo la, et puis yo pa jwenn rien pou li. Yo pa jwenn rien. Yo pou ko jam di sa yo jwenn sou mwen. Mais en effet, il y a un mandat d'arrêt. Mais pas, je me dis ça, je rejoins sous moi. Moi-même, je me suis paré pour me dire ça. Voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC est supposé une institution qui a analysé. Si je nous bagaille, il voit le bail la justice. Mais pas qu'à lui-même, en même temps, tout le film investigué, ils sont la font travail d'investigation, et puis le tourner qu'on y a un juge là, et puis il y a une sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez? Où est mon droit à la justice? Et puis, on va aider le dernier, ajouter dans le placement qui fait pour dans le boulot là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est-à-dire, c'est pour l'argent. C'est-à-dire, si on a décidé un jour, on va payer, il y a pas de vignes saisies Nissan, il y a pas de vignes saisies Delimat toujours, il y a pas de vignes saisies Alancho. Donc, on n'a pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons tout côté, et puis nous ne pouvons jamais démêler, et puis c'est avec Ona, nous avons démêlé, je dis, écoutez, messieurs, écoutez, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique, et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagouettes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé, ouais, l'ULCC ouvrit, il y a une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec COB ONA. Qui monde qui prend COB? Qui monde qui pas jamais payé? Qui sénateur qui prend COB? Qui député qui prend COB? Qui entreprise secteur privé qui prend COB? Qui monde qui prend COB et pas jamais payé? Ça, m'a pas applaudi, m'a pas bravo. Mais lorsque, pendant des mois, tout ça, l'ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas un ennemi, non, un adversaire, parce que pas oublié pendant un certain temps des amis et tout, nous vivons adversaire politique, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que que 7 juillet, et PIA est stupéfait et apprennent assassinat brutal la caille pour président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment et terrible. Vous êtes qualifié criminel de crime odieux. Mais dans la famille politique, et monsieur Moïse, il y a des monde clairement qui dit et yon longe doit être comme auteur ou yon commanditaire et crime ça. Et moi attendez des commentaires et faites sous ça. Ou voulez faire un commentaire sous ça ou pas, monsieur Boulos?
Oh oui, non, je fais commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force, moi. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat, ça n'a pas mené pays à Pibouin. Non, tout ouais que assassinat, ça a mené pays à Natchouboum. Son assassinat qui fait contre un haïtien. Son assassinat qui fait contre le président de la République. Son assassinat qui fait la Kaeli de manière brutale. Non, pas de jambes. Parce que Reginald Boulos, MDV Haïti, yon n'a pas toujours condamné, c'est la violence. Nous pas choisi prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer le système là. Nous te mettons en place yon, publiquement un instrument politique. Nous te mettons comme dehors. Donc, nous pas croire que Reginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, je vous Benson. Je dois faire 10 ans, m'a dit que je n'ai pas rien pour moi. De loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Sacrivéa, le 7 juillet, et comme condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais nous avons fait des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que je suis adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que je me rends un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, ou pensez que c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis parce que je suis adversaire politique, c'est moins que et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça que j'ai aimé. Parce que c'est seul ça qui peut permettre de lever tête, de dire, messieurs, nous, on te dit non, je ne vais pas rien dire, ça. Donc, et en quête ça, je me suis senti la piétiner et je me souhaité que le gouvernement, je me souhaité que l'international qui a arrêté certains mondes et qui, étrangement, je me dit, je me suis dit, là, qu'il faut étrangement dire que tout ça va présenter un tribunal, il faut le rester caché. Non, même il faut que le bagage ait été ouvert pour que le peuple haïtien connaisse exactement ce qui a passé cette juillet. Il faut que tout ça qu'a fait là, le fait dans la transparence pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, et aucune, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch, à aucun moment de la durée ou par gain personne monde que c'est la justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec ou tant qu'on personne of interest ou bien tant qu'on témoin que tu as peut-être aidé éclairer dans l'investigation ou pas docteur Boulos. Bah jamais recevoir invitation FBI, bah jamais entendre parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch, je ne connais pas et docteur Sanon, je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jean. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas Monsieur Jean. Je ne connais pas Monsieur Andal. Je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé. Je n'ai jamais participé. Je ne connais pas Monsieur Jean du tout, du tout. C'est la première fois que je me dis non, Docteur Sanon, c'est l'heure. Il a arrêté Docteur Sanon. Je ne suis content de non, Samir Andal. Même pas jamais rencontré. Je ne sais pas qui m'a nié. Et d'après ça, je comprends la justice en Turquie se prend décision pour lui. Mes parents, j'ai rencontré M. Jean, parce que grand pis Jean en Haïti. Pas oublier, c'est non, mais on groupe Jean que m'a acheté Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec M. Jean Farr, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas eu de M. Rodolphe Jean. Je ne la connais pas. Je ne connais pas M. Rodolphe Jean. Okay. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas M. Samir Andal, je ne connais pas Dr. Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec dans le téléphone. On t'a pas évoqué avec vous en question. Il y a des mouns dans l'analyse qui estimaient que, après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée est autour de président, de premier ministre Henri et serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous t'a pas regardé et comment même analyser lecture ça.
Pardonnez-moi, reprenez pour nous, lendemain du 7 juillet, parce que nous avons des difficultés, attendez-vous. Allô? Allô, allô? Ah, j'ai ben... problème. Attendez une seconde. Non, pas... Allô, allô? Oui, vous t'entendez? Oui, vous t'avez dit au lendemain du 7 juillet. Reprenez pour s'il vous plaît, parce que nous... Oui, moi dit que au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. Ou pas qu'à quitter ton pays dans l'anarchie. Ou pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable. Est-ce que moi je vous dis texte de crime qui dit au patandim. Est-ce que nous avons vérifié? Non, non, très bien. Très bien. Oui, oui, très bien. Très bien. Très bien. D'accord. Ouais. Très bien. Mmh. Ok. Maintenant bon, dis-nous. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait trouver, il fallait être créatif, prendre des joints, une solution qui te permette que rapidement, pays a pas dégringolé dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous t'es parlé avec Dr. Ariel Henry, nous parlé avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en action, autres. Et puis nous t'es dit, on cherchait une solution qui est bonne pour le pays. Et je crois que, quelque part, nous avons réfléchi que, à cette époque, que le premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme premier ministre. On respectait la dernière volonté. Qui t'a petit un jour? Qui t'a position sous oui. Fin mandat président 2021? Bon, nous connaît que moi-même, j'ai toujours pensé que mandat président est fini 7 juillet 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons. Mais à la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou non, par rapport mais, à ça, vous avez évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. Mm-hmm. Bon, je vous dis, c'est un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel n'a pas voué parlement aller, et président Jovenel t'a cherché un accord dans ça que tu as cherché parce que tu as une grosse discussion sur fin mandat, ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire une balle dans le pied, le voyait parlement aller. Donc ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde et puis une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. Okay? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc avoir une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui poutait là le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que lui pas en haut et pas sur toute sa tour de fait. Et il faut dire aussi que nous ne pouvons pas jouer une solution de remplacement. Okay. Mais donc, on quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrons dans. Oui, moi je crois qu'en tant que président en fonction, il fallait respecter, dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour du Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé trois bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient dit entre guillemets légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire n'a pas signé encore, mais from dit nous bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'a pli pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça.
ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui portait la paix, qui portait la prospérité, qui portait la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça dans l'être, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interrompe, mais de fait, et plus oui. de 6 à 8 mois après, l'État est. Et particularité dans l'Alliance là, et l'Alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement écoute, à ce résultat que certains mondes qualifient carrément de catastrophique écoute, et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupons? Nous occupons, attendez, nous n'occupons pas occuper poste politique. Maintenant, bon, Dieu, si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrit pour les ministres. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons un paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec le groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans l'être là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas avoir rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrième, songez à l'époque, ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine. Dans l'aide ça, 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MDV levé, moi, en pile, mon abou est monté, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire. Plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, forme nous personnellement, et tout à l'heure nous allons parler de ça, personnellement, moi très mal à l'aise, que Reginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MDV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat, qui pas de résultat. Et m'a évoqué division qui en est MDV sous ça. Parce que, au contact privé, messieurs, moi, je vous dis un mot très fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut qu'on ait qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action ça va pas faire. Et nous conscients de ça, nous pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de. Nous pas souhaiter ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en dans pouvoir? Non, attends-moi. Bon, préciser pour vous. Bon, précision bas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteaux. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas dans partage gâteau. Nous voulons partager responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça, c'est le premier sangadou. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont vous voulez mentionner que nous avons dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec lui de ou en fait de poste au Fatma. Ça va jamais la veine, ok? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MDV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma baie MDV, son poste ma baie un cadre compétent de MDV. Et effectivement, MDV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, okay. En pile militant. Donc, attends. Laisse-moi finir. S'il vous plaît. Une minute. Allez-y. OK, s'il te plaît. OK. Et faut me faire effort pour me battre, parce que docteur m'a dit pour me battre après stress,
pour ne pas faire trop effort, nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, Dieu, nous sommes, nous pas un problème de que Dr. Karl François, parce que nous connaissons compétence Dr. Karl François. Et nous encourager que Dr. Karl François, je dis, en tant qu'un cadre MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma, pour le montrer, jouer MTV est arrivé au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, non pas jamais bien de dialogue avec Dr. Karl François sur gestion li, son est capturé en tant que cadre, okay. Le cadre de MTV auquel on docteur, a offert. Docteur Boulos, parti ou la MTV, oui. Li toujours parti de accord en septembre, non? Et m'a répondu par la positive, mais m'a qualifié okay. Positif. Ok, attends. Avant qualifié positif, là. Maintenant, si vous n'êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance lancée, échec, ça, moi, ça saute dans bouche là tout à l'heure, là. Et ou pas grand qu'une responsabilité, MTV pas grand qu'une responsabilité, c'est ça, Abdim, là? Dans ça? Mais écoutez, m'pense que nous n'avons pas qu'à assumer responsabilité, le n'avons pas joint. Et disons, Wolm. Quittez-moi fini. Oui. Sauti n'a quoi, v'lait-il quoi, apprécier responsabilité? Absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord, ça fait là. Comment t'as pas pensé qu'on pratique en quoi MTV? Comment t'as pas pensé qu'au Réginal Boulos? Comment t'as pas pensé que dans ce sens-là, dans ce sens-là, et nous t'as qu'à content que kidnapping a prolongé Peppa Saint-Jodia. Goud là fait 150 goud. Nous connaissons tout ça, peuple à manger. C'est importé, l'importé. Donc chaque fois que goud là prend valeur, c'est l'argent, mon prix matière première, matière, produit de première nécessité qui a monté. Peuple a grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas content de ça. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfait de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous, petit bagaille, laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire, il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Rétia, ça fait quoi, docteur Boulos? Rétia Laden, ça fait quoi? Nous là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valas, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas. L'accord n'est pas pour Ariel Henry. L'accord, c'est pour tout le monde qui signale. Au contraire, si nous sommes là-dedans, nous avons un rôle encore, côté nous avons essayé. Faire avancer pour que je dis à nous qu'ajouter nos solutions qui permettent nous attaquer problèmes et sécurité. Pardonnez-moi, docteur Boulos. Monsieur Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons gagné dans l'espace ça, il y a quelques semaines, monsieur Lini Balthazar de PHTK, il a dit que la utilisation en termes juridiques, quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022, pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il estimait que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui, l'accord est caduque. Et ou pas, non, même lecture ça? Écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Liné Balthazar, pas moi, les prochains dirigeants de MDV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MDV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Liné Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MDV a prôné un consensus élargi. Et c'est le moment pour je dis à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé, hein, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, fusion, SDP, moi, il y a une discussion NPC, on ne pas fait plus de division.
on mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons avec les autres membres de la classe politique. Et j'ai cité plusieurs groupes déjà. Et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MDV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que pour le ministre Ariel Henry, Abdel pour un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MDV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas invivable. Docteur Boulos, c'est à trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, et tout signataire, yo baille Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Attendez bien, oui? Pour le diriger comme premier ministre. Maintenant, li échoué dans toute salle de gain pour le faire comme premier ministre, nous-mêmes qui te balle légitimité ça, c'est ce qu'on a fait là, ou retire quoi, ou du pas grand rien pour être dans échec Ariel Henry, ou pas grand pas de responsabilité là-dedans. C'est pas trop simple. C'est pas trop facile. Non. Attendez. Je dis que MTV n'a pas occupé un poste politique. Il y a un groupe qui occupe un poste politique. Si nous occupons un poste politique, si MTV, je dis, a un poste politique, nous t'as pas obligé de dire, ou bien de claquer la porte à cabinet, ou bien de dire haut et fort, nous pas contre ça capture. Bon, on a une caution politique et morale, docteur Boulos. Une légitimité quelque part. Caution politique et morale. Exact. Ça n'a pas dérangé aucun résultat, ça. Oh, ça dérange ma pile et ça dérange ma pile, Robinson. Bon, du et nous pas arriver sur ça. Pourquoi ça m'a démission de MDV? D'abord, parce que j'ai un problème de santé, mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MDV Haïti. C'est-à-dire que est-ce qu'on pensait que ma l'aise, je dis, devant sa nappe vive là, et puis nous, ouais, on pourrait ministre qui, à l'instar de peut-être l'ancien président, puis nous pourrait ministre bébé. Non, pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant que je dis ça à tout, je ne suis pas irresponsable. Je ne suis pas irresponsable. Ferme une porte là et puis remplacer par quoi si ce n'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement. Donc oui, je suis très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon nom aujourd'hui à la docteur Boulos. Yo, ouais, clairement, vous savez, que silence. Gardez moi clairement qui dit cette équipe au pouvoir, son seul bagaille qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité le gagner pour faire un minimum pour goûter contre banditisme, pour faire un minimum pour goûter contre pays à capacité GB. Que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour voir si nous, au moins, nous avons sorti toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social, et au plan des objectifs fixés, c'est comme si Mdadou nous souhaite vivre là pratiquement 12 mois, comme si Mdadou de léthargie et de jouissance, et puis, entre-temps, la population continuait à rentrer dans l'enfer. Et Gaimon Gitakati, mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternative, de vraie alternative. Mais là, Gaimon Gitakati, nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, ça c'est le monde d'Akadi de où. Et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à Bagaïsa. Et quelque part, Gaimon Kap dit, si MD fait son bulletin de vote, Bagaïsa, c'est possible que la population fasse le payer. Nous tenons toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour réponse avant de nous avancer dans d'autres points. Bon, yo, je n'aime pas pile, mais bon, j'ai un petit bagage. Dis-moi. Sous-songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV te fait appel pour te chercher un consensus et un accord président Jovenel. Il était même attaqué, nous. Les opposants radicaux te attaqué, nous, pour position ça. Nous sommes des radios qui te disent pas comprendre que nous avons parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là, nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème dans son problème de système. Si nous pas font accord qui bat une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis jamais un radical. Je n'ai pas lutté pour changement de système. Là. Et encore une fois, ma propre à le chercher. Document que nous avons fait en avril 2021, côté nous t'es dit, nous voulons un accord inclusif et il faut que Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être
une diminution de dans tête de mandat 2022, mais nous te connaissons que nous ne pouvons pas avoir le président du journal à l'église un matin, parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre, un consensus pillage. En nous retirer question précarité politique n'a pas l'air sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettez en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous praler. Mais... Et qui problème nous gagne principalement? Non, mais l'Oali a quoi en septembre? Je suis désolé, docteur Boulos. M'lille. Oui. Il y a des étapes et t'es que des bagages yo dire pour faire 1 2 3 procès peut au caribé et on assessment de t'es organe de contrôle d'accord mettez organe de contrôle c'est peut-être que pour te monter c'est peut monter c'était conférence nationale t'es comprendre c'était timé docteur Boulos élection de faire presque n'a après et c'est comme si m'dadou on part et comme si m'dadou au jour 1 de d'une expérience seul grain pour respecter n'a quoi monter cap dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui non mais non. C'est pratiquement ça. Écoutez, je ne crois pas attendre ça, ma vie. Je ne crois pas attendre ça. Non, m'entendez très bien, soit dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, ok? C'est-à-dire, il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Uh-huh. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux, responsable. Est-ce qu'on pense que je vais lever matin et puis me dire, bon, il faut Ariel aller jeudi à là, et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on crée sur ça. Donc, on vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Fait, eh bien, d'accord. Eh mais bien. Les acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. Eh bien. On doit constater cet échec. Eh bien. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Mais soit bien. Mais pardonnez, monsieur Gondon, quittez mon petit Jean Beto. Quittez mon petit Jean Beto. Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, oui. L'elle dit côté état financier, moi, côté profit, moi, et puis conseil de bagaille, le dashboard, il a dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, Nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou des raisons, là, dit-il. Très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus. Mais les individus aussi construisent, les systèmes sont pas des systèmes. Faut mettre une nuance ça. Mais là, on regarde les résultats, yo. Si nous, une équipe de football, capitaine, n'a pas qu'à, ben, résultat, m'y est donc, c'est deux joueurs, clique pas qu'à, ben, résultat, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions? Oui. Une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, ça a fait. Ou saute d'un bagaille? Non, ou saute d'un bagaille important. Oui. Ou dit 600 entreprises, moi, m'a privé devant board, moi. Non, ou a pris dashboard, ou oui. Non, ou a pris dashboard. Ou a pris tout élément, ou a pris état financier, ou a pris tout document financier pour faire analyse la situation entreprise. Ok. Mon fils dit qu'il t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ou même content qu'on parle de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans tête li qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général ou bien mon cap géré, pas de résultat, il y a qui ça peut faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons dans tête pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as des décisions que tu as prises. Bon. Par contre, et je dis à bord là, vous connaissez mon bord là, les signataires de l'accord avec, mais les signataires de l'accord avec les autres cadres, les autres entités politiques du pays. Il est temps que chita ensemble comme au bord pour dire mes résultats nous joignent pendant 12 mois. Qui décision a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, gagne mon guide, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans mais la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Gagne mon guide qui arrive dans réflexion ça avec tout là. Et puis qui vous dit clairement jodia et c'est la question ça me balle avancer avec tout à l'heure docteur Boulos pour que
les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, la Punta di société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, nous créons un play de fil pour lui avec les règles qui lui respectées, et puis qu'on y a pour nous créer conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, autant, tant et aussi longtemps que pouvoir n'a mais des politiques qui prennent compétiteurs et qui besoin d'appareil l'État pour refaire une santé économique, je ne parle pas de précarité à la, qui besoin des leviers du pouvoir, non, mais il y a les germes de prochaines contestations électorales, quel que soit l'un à faire élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant eux existaient, si tant eux, il y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, et tout le monde cache des petits doigts, on va prêcher en convaincu. Excepté que on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre le secteur privé, contre forum économique, secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là, elle sortit des positions qui peut, qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a shooté sous eux et autres. Donc, en fait, nous n'avons pas assisté à une déchéance des institutions du pays. Et c'est pour ça que, encore une fois, je répète peut-être le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour qu'ils ouvrent le dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais ce n'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons. Actions nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Actions nous prenons pour nous capables de réduire la gote qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que je dis à goutte la 750 goutte. Il faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais il faut appeler à secteur privé, man, que nous déconnons des forts. Mais je dis, il n'y a pas là encore. Donc, on a raison, mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose? C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, bravo au petit bagaille qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a un an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires. Et signataires, ça, je dis, à ta supposé. Prends Olio, allez joindre Montana. Allez joindre Penn, allez joindre Jovenel Michaud, allez joindre Lavalat, allez joindre l'Église, allez joindre le secteur religieux, allez joindre le secteur privé, allez joindre les associations patronales, les associations professionnelles, allez joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de crise réelle. Nous devons débattre ça. Du côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection là. Ok. Nous donnons d'explication ça, M. Boulos. Les abrivés sur nous là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial là. Nous posons une ou deux questions encore avant nos libéraux. Nous avons peut-être avec un peu l'attention d'aller à l'âge, de façon caricaturée, on levait des mots là, on dit besoin, président Jovenel Moïse, joint justice, pour que Douette qui longe sous Yoyo, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Bon, nous avons explication sur parti ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et petite Lio, constitué en partie civile, compte Docteur Ariel Henry, yo longe Douette Souli, yo dit qu'il y a implication dans l'assassinat et président et Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour nous cajouer une explication? Non, moi, je vais demander à un juge. Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça va dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. Vous pouvez même pas nous sacrifier, nous, en Haïti. Pour si critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Il faut nous sortir dans ce phénomène. Moi-même, je ne vais pas juger personne. Je dis, il y a des gens qui ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont probablement joué une poêle sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous et monter, écoutez, avec les médias sociaux, avec ça qui a passé dans le pays, Robinson, où qu'on est aujourd'hui, vous avez monté fait sur tout le monde. Fait, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé, mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, j'étais au forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique, parce que j'ai toujours fait de moi, j'ai un responsable, voter tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et maintenant, l'homme, il me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de toute sa guerre, je prends la politique, je prends l'occupé poste,
parce que moi j'en m'occupe pas et m'bral montrer qui ça me ta fait. C'est ça me dit tête. Donc il faut que moi-même si me souffre de ça de voir monter matin midi soir, me pas pas rentrer dans vous. Non, là on pas parler de voir monter non et là parler de n'a parler de donc à qui madame président qui était là et jour même il a assassiné président qui accusé premier ministre. Ça ou considérez quoi vous monter? Eh bien quelle donne, écoutez, moi c'est que madame président parle avec FBI, moi c'est parle avec la justice. Commissaire, je crois que le juge d'instruction t'a invité. Supposez s'il y a information, ça y est. Faut le bailler. Et puis quitter la justice avancée. Même pas rentrer moi-même, je ne suis pas là, je ne suis pas en bas de la bande, je ne suis pas présent, je ne suis pas dans ce qui s'est passé. Je ne suis pas rentrer moi-même dans, et je ne suis pas rentrer dans l'aspect ça, le problème même là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, je ne suis pas pour juger. Je suis juste pour nous. Non, je ne suis pas rentrer. Je vais de même répondre sur ça. Bon, ou bien explication que vous estimez que vous avez. Maintenant, je vous dis à la, Dr. Boulos, comment considérez-vous? Quoi un monde qui est simplement à l'extérieur du pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade. Okay? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement, sont toujours en poste. OK? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays. Et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays pour cause de maladie. Et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen jouir éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer. Et puis, je n'étais pas parti en exil. Je n'étais pas parti pour me dire une fondraising. Il y a un débat qui vivait pendant là. Et ensuite, nous venons des problèmes de santé personnelle qui fait que bon concours de circonstances qui fait me dehors tout. Non, et avant de me poser la dernière question, dans lettre où vous voyez le dirigeant MDVE, vous soulignez ça avec regret ou prendre distance avec politique et avec affaires tout dans le pays. Parti politique, et pour ça qui vient avec politique, nous comprenons les affaires et dans mon pays. Ça veut dire qui ça? Non, mais écoutez, c'est comme MDV. MDV n'a pas été créé pour Reginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MTV ce matin. Je demande à tous les militants de MTV, tout le cas de MTV, même si il y a une division entre eux. Moi, je veux que MTV survive. Moi, je veux que MTV survive. Et MTV parle survivre parce que nous avons un engagement différents mondes en dedans MTV. Les cadres aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV pour le mener de l'autre côté. Même Jean-Mabdou, c'est moi qui crée la Chambre nationale. Mais la Chambre nationale est toujours vivante. Elle a survécu. Non, je ne parle pas de MDV, non. Je ne parle pas de les affaires. Pour ce qu'on a dans les affaires, tout dans le pays. Je comprends bien la question. Je comprends une question là. Okay. Mais j'ai créé des entreprises, au contraire. Je suis fier. Très fier que je dis à l'entreprise, mais à fonctionner, pour continuer à fonctionner, même si je ne suis pas là. Écoutez, il y a 66 ans. Mais je dois mourir dans plus qu'à dire hier soir. Et puis, les entreprises auraient continué. J'ai mis en place des structures. Je suis un homme de structure. Moi, toujours mettre structure en place. OK? Donc, je dis à moi, mettre en place structure qui permettent que, quand on recevoir des rapports, même pas participer okay. à la gestion. Donc, je peux dire que je me suis retiré, personnellement, je me suis retiré des affaires. Comme mon père qui n'est plus là, s'est retiré des affaires et comme un jour, d'autres qui vont suivre tout à fait. Vont se retirer des affaires. Maintenant, est-ce que considère toujours, je dis à la docteur Boulos, soit victime de persécution politique? Mon cher, je ne connais pas. Et je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire oui parce que je n'ai pas des actions concrètes. Je ne peux pas dire oui tout parce que en plus, non. Action que tu prends contre moi, on va retirer. Bon, oui, t'as pas été bizarre parce que. Oui, t'as pas été. Oui, ou soudain dit, oui, victime de persécution politique, ça t'a pas été bizarre. Bon, puis le monde, parce que là, on a considéré, bon, Reginald Boulos avec MDV sous pouvoir, il y en a encore qui gagne le premier ministre. Non, bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la discussion, ça encore. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, mais nous soulignons un instant.
Par contre, Bamjou, quand vous posez une question, que je me retire des affaires, je vais te dire. Comment tu as commencé en tant que citoyen, comme médecin de santé publique qui t'a travaillé sur le soleil? Je pense que tu as commencé. Je me rêvais d'être entrepreneur, ni bien d'être un affaire. Je veux dire, je souhaitais tourner dans le pays pour me garder le travail que tu as fait dans la cité soleil. Pour me garder état, l'hôpital Sainte-Catherine, je dis, je vais me tourner pour me retourner dans le côté où tu as commencé. Parce que je suis passé de médecin, d'un entrepreneur, d'un homme politique. Reste vim, je vais me retourner comme médecin de santé publique. Pour mal travailler Cité Soleil encore. Pour mal remettre l'hôpital Sainte-Catherine en place. Pour m'ouvrir l'école La Saline, non, que je suis construit, que je ne vais pas jamais ouvrir. Pour me prendre l'école Boston, pour m'agrandir, pour arriver jusqu'à Philo. Et pour me capable de mettre en place des actions philanthropiques. C'est ça le rêve, moi, aujourd'hui. Pour me tourner à Haïti le plus tôt possible, dès que bon Dieu va me la santé. Mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire je me retire de la politique et des affaires. Merci beaucoup, docteur Boulos. Comme citoyen du pays. Docteur Boulos. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, le toujours là. Oui, oui. Nous souhaitons occuper de santé ou nous souhaitons rétablir l'établissement. Mais nous connaissons tous les derniers petits déguis. La population a regardé tout ça qui a passé à la l'enragé, mais les gangs ont empêché le vivre, les bandits ont empêché le vivre. Il est dans un grand goût et il n'y a pas ça l'ouè là, non? Et il y a des gens qui craignent que s'il faut appuyer la tête, pas bon pour penser de monde qui a fait politique en Haïti. Et lui-même, ils sont acteurs clés qui font des décisions faites en Haïti, même là avec la communauté internationale. La même population, hein, la pancaissée, et la colère. Yo d'où ça? Qui question? Est-ce que yo d'où ça? Est-ce qu'on fait analyse ça tout? Bon, écoutez, tout pays qui a souffri, j'en peux pas ici, a souffri, le droit de se défendre, le droit à l'autodéfense, est un droit sacré. Maintenant, est-ce que ça a jamais poté en rien? Est-ce que chaos jamais poté en rien dans le pays d'Haïti? Et on retourne encore pour moi, dans même samedi, au départ là. Dernier mot m'a dit encore. M'a fait appel à toute leader politique, toute leader sociale, toute leader économique. Gardez conditions peuple à vivre. Et c'est vrai, le cas frappé pied la terre si nous ne pas lever pied dans nous-mêmes. La frappe pied la tête si nous ne lever pied non. En font gros accord pour nous changer l'insécurité en Haïti, pour nous changer la pauvreté en Haïti, pour nous porter la justice sociale, pour nous porter la solidarité, pour nous porter la prospérité. Mais... Et ma parole, monsieur le secteur privé, bon, je vous dernier petit mot. Nous connaissons un secteur privé qui dit ouais, vous l'ostentez dans la politique, gardez ça privé. Nous n'avons aucun regret dans ça que je fais. Peut-être seul regret que je fais, c'est que je fais pour compte moi. Mais sinon, même secteur privé, les hommes et les femmes d'affaires avec qui je parle, nous mettons tête nous ensemble pour nous dire, peuple haïtien, nous allons défendre tête nous aujourd'hui. Nous allons défendre cause, peuple haïtien. Nous avons une grosse voix, parce que la voix économique est une grande voix. Je fais appel aussi à mes amis du secteur privé, mais aussi à mes collègues du secteur politique. Mettons-nous ensemble. Il faut un pacte de tous les secteurs pour en faveur de stabilité en Haïti, de progrès économique, de solidarité, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre la corruption et finalement d'une Haïti dont on rêve toujours pour qu'elle redevienne encore la perle. Merci beaucoup, Dr. Boulos, encore une fois, à nos voeux de pont rétablissement par rapport au problème de Saint-Augain. Kembe la passion, bonne journée. Merci pour tout ça, accordé. Merci. Genban, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan largeur. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse
débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.